Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'abattre des structures adverses avec un X4 Aquilon. Alors un X4 Aquilon, c'est un avion, comme le défi précédent de hier, vous allez devoir trouver un avion. Alors les avions, je vous affiche tous les emplacements sur la map de Fortnite. Donc rendez-vous à l'un de ces points et essayez de récupérer un avion. À chaque point, logiquement, il y a 3 avions, plus ou moins. Donc logiquement, vous n'aurez pas trop de difficultés à en avoir un. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille aussi d'aller en foire d'empoigne. Comme ça, vous trouvez un avion en foire d'empoigne. Ensuite, vous essayez d'aller faire le plein de l'essence à une pompe à essence ou alors avec un bidon d'essence, si vous en trouvez un, bien entendu. Comme ça, vous serez au max de votre essence. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez voler tout au-dessus de la map, mais en gérant votre vitesse. Donc, essayez de freiner en pleine hauteur, puis de redémarrer le moteur, refreiner, redémarrer le moteur pour user moins de carburant. Comme ça, vous allez pouvoir garder votre avion avec pas mal de carburant jusqu'à la fin de zone. Et à la fin de zone, logiquement, il y aura plein de constructions en bas sur la map de Fortnite. Et là, vous aurez juste à détruire des structures. Donc, vous devrez détruire 10 structures adverses pour débloquer le cadeau de Noël qui est un planeur. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao. Peace. I'm Nick, bruh.